Déjà 28 ans que Patrick Sébastien file le parfait amour avec sa belle Nathalie. Mais le couple a vécu des hauts et des bas. Parmi les moments difficiles, une séparation et un éventuel ménage à trois avec une certaine Scheherazade. Dans son livre « Comme un poisson dans l'herbe », édition EXO, la star des émissions de fête raconte cet épisode. En 1993, Patrick Sébastien et Nana se mettent en couple. Trois ans plus tard, chacun fait sa vie, et l'animateur tombe sous le charme d'une autre femme brillante, élégante et racée qu'il appelle Scheherazade dans son ouvrage. Après trois mois d'amour, Nana revient. Mais Patrick Sébastien n'est plus un cœur à prendre. Il dit tout à Scheherazade et s'attend au pire. Mais certainement pas à ces mots prononcés par sa nouvelle compagne. Alors, on va te partager. Elle aura le lundi, le mardi et le mercredi. Moi le vendredi, le samedi et le dimanche. Ça te laisse le jeudi. Div.ad-bas placeholdé.ad-bas un ride 1, ydth2.300px.midnight2.330px. @mediascreenen, minwidth, 990px, div.ad-bas placeholdé.ad-bas un ride 1, ydth2.620px.midnight2.370px. Contre toute attente, sa belle Nathalie accepte le compromis. J'ai appelé, j'ai proposé, il y a eu un long silence et j'ai entendu Nana, à ma grande surprise, dire, ok, on va faire comme ça. Mais si je peux me permettre, on va quand même discuter, se souvient l'animateur dans son livre. Pourquoi discuter? Ben, elle s'emmerde pas, elle a pris les week-ends, avait lâché le rendez-vous est pris. Un soir d'été au restaurant à Ramatuelle, une table pour se sont tout juste salués. Les regards se sont plantés, et pas une n'a baissé les yeux. Un combat de femme immobile et silencieuse, raconte Patrick Sébastien. L'ambiance est pesante et Scheherazade finit par craquer. Elle se lève et laisse 30 secondes à la star pour choisir entre la suivre ou rester attablée avec Nana. Surpris, il ne fait pas par la même occasion son choix. Pas de ménage à trois. En 30 secondes, il a choisi de passer près de 30 ans de sa vie avec sa belle. Le couple a célébré son mariage en 1998 et a même adopté une petite Lily en 2006.